Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose une correction des exercices écrits de la page 27, le phonème L. Suivez avec moi. Donc, on commence par la première question. Je lis, puis je colorie en jaune les étiquettes où il y a la lettre L. On commence par la lecture. Plume, oncle, sœur, Walid, père. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va colorier les étiquettes où il y a L. Ici, on a L. Très bien. Donc, on colorie l'étiquette en jaune. Plume. Oncle. La même chose. On a L. Donc, on colorie en jaune l'étiquette oncle. Très bien. Sœur. Est-ce qu'on a ici L? Non. Très bien, donc on ne va pas colorier cette étiquette. On passe maintenant à l'étiquette suivante. Walid. Est-ce qu'on a L ici? Oui, donc on colorie cette étiquette en jaune. Père. Est-ce qu'ici on a L? Non. Très bien, donc on ne va pas colorier cette étiquette. Bravo. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, ici on a la famille et qu'est-ce qu'on va faire? Je relis le nom au dessin correspondant. Ici on a cinq étiquettes et après on a cinq dessins. Donc grand-père, très bien, c'est grand-père. On relie grand-père avec ce dessin, très bien. Ensuite, Lubna. Très bien, c'est Lubna. Hasard, c'est hasard. Grand-mère, c'est ma grand-mère. Et enfin, le père. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. J'entoure la lettre L. On cherche maintenant L dans ces mots. Donc, on commence par frère. Ici, on n'a pas L. Même chose pour mère. Par contre, dans Lubna, on a ici L au début. Donc, on entoure L. Pardon. Très bien. Donc, ici, dans Walid, on a L. Et dans Lune, également, on a L. Salle, dans salle, on a deux L. Dans table, un seul L ici. Dans jardin, on n'a pas L. Dans école, on a un seul L ici. Très bien. Donc, on a entouré la lettre L. Bravo. On passe maintenant à l'exercice d'écriture. On commence par la copie. Donc, ici, on a la syllabe là. Vous allez la recopier quatre fois dans cette première ligne. Bien sûr, en respectant les règles de l'écriture cursive. L s'écrit de trois interlignes vers le haut. Donc là, 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 là. Et la même chose pour le mot plume. Vous allez l'écrire quatre fois ici dans cette deuxième ligne. Pour la dictée, vous allez essayer d'écrire quelques mots contenant la lettre L. Par exemple, écrivez ici lune. Lune. L-U-N-E. Lune. Très bien. Lune. Maintenant, vous allez écrire plume. Plume. P-L-U-M-E. Plume. Très bien. Ici, essayez d'écrire Ali. 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 A majuscule Li. Très bien. Ici, vous allez écrire parapluie. 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 P-A-R-A-P-L-U-I-E. Parapluie. Très bien. Bravo, très bien. Maintenant,
On passe à l'exercice de comptage. Je compte 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Très bien. Je lis à haute voix. 31, 32, 37, 36, 33, 34, 35. Très bien. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.